l'huile d'olive. Un peu de beurre. Puis on va faire caraméliser un peu les oignons. Voilà, on a deux longes de porc à moitié gelé. J'enlève tout ça. Ça va bien avec les gelées, ça s'enlève mieux en plus la partie grasse là. Ici, ça c'est de la tiraille de muscle. Ça c'est croquant sous la dent, c'est fatigant. Un peu comme du nerf. Des fois en pire. Je cisaille jusqu'à la peau. J'enlève le plus gros que je peux comme ça. Des fois, ça vaut la peine, quitte à perdre quelques onces de viande. Parce que c'est pas agréable sur la dent. Morceau de nerf. Je commence par trancher en deux sur le long. Je vais couler un pouce environ, 3/4 de pouce. Et voilà. Et on va pas le faire. On va rajouter un petit peu de vinaigre de vin. Là, on regarde le vinaigre, ça va le faire pour la tendue de la viande. On va faire cuit. Puis on est prêt. Je vais faire l'autre longe de la même façon. Je chauffe à basse température, pas y remettre 6 heures, probablement que ça va cuire 5 heures de toute façon. J'ai éteint mes oignons ont caramélisé en masse, ils ont un peu trop cuit au début, un peu foncé. Pas grave, ça va donner du goût. Voilà, canne de lait avec une canne de concentré, petite soupe aux oignons, soupe aux champignons. Parfait, on ajoute des oignons là-dedans. Quelques champignons. Je ne mettrai pas tout, c'est un petit peu mélangé. Toute ma viande. Deux grosses tranches de porc. Je viens. Je vais rajouter le reste des champignons. Un petit peu homogène et voilà tout terminé. Sel, je
ça. Et voilà. C'est maintenant qu'à nettoyer, attendre, ça va être prêt pour le souper. Bon, j'ai rajouté un peu de cornstarch, épaissé la sauce, donner de la consistance. Après ça, je vais étaler tout ça. Puis j'enlève le couvert pour continuer à évaporer un peu d'eau. Puis j'ai goûté, je sais qu'il manque une petite affaire de sel. Et voilà. Je vais faire des bonnes nouilles. C'est délicieux.